Je m'appelle Tatiana, j'étais accompagnatrice des joueurs sur l'Open 13. Je m'appelle Daria et j'étais compétitrice des joueurs en Open 13 ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos missions? Alors, notre mission c'était rester à l'accueil de Pullman et s'occuper de s'occuper de joueurs, pas faire le massage non. Il fallait faire les évaluations de voiture, voilà. Après, prendre les réservations pour les entraînements, voilà. Monsieur, Madame Maltès, merci. Est-ce que vous connaissez tous les joueurs du tournoi? Maintenant, oui. Avant, Tsonga, parce que je l'ai vu à la poule. Yujne, parce qu'il est très connu chez moi. Voilà. Et bon, ok, il m'a eu parce que je l'ai vu, tu sais. Trois jours il a joué, bon c'était partout dans le pub, dans les infos qu'il a joué trois jours une match. Ok. Qu'est-ce que vous avez appris durant votre mission à l'Open 13? Bah, on a eu une bonne expérience, j'ai parlé trois langues en même temps, quatre, de temps en temps. On acquiert les joueurs, c'était très sympa. Qui est le joueur le plus sympa? Yujne, après Tushinov. Et un joueur français? Mayu. Est-ce que vous avez une petite anecdote rigolote à propos d'un joueur ou de ce qui vous est arrivé? Bon, c'est mon anecdote à moi. Vous avez entendu ça déjà trois fois, oui. De Monsieur Lodra qui a gagné l'année passée, il est vraiment très connu en France. Bien sûr, moi je l'ai vu la première fois. Et déjà, je ne savais pas écrire son nom, bien sûr. Et après, chaque fois, pendant trois jours que je l'ai vu, j'ai demandé qui il est parce que, en fait, dans son équipe, il y a son papa et il y a son frère, je crois. Ils se rassemblent tous en fait. Ils sont cinq personnes, ils se rassemblent. Et, voilà, à chaque fois, Monsieur Lodra, je suis désolée, je vous demande votre avis. Et pour vous? Et moi, je ne connais pas du tout les joueurs, donc une fois, j'ai pris le chauffeur comme joueur. J'ai demandé, est-ce que vous avez réservé la voiture? Voilà, c'est drôle. Voilà. Ok, eh bien merci beaucoup. Bah, de rien. Merci.